pas craquer entre nous, hein. Ça mais va non, trop mais vite, Manu là. Qui a la craqué, imbécile, va. Tu veux faire crac-crac, c'est pas le moment. Mais hein. Non, mais... S'il te plaît, un peu de privé, voyons. Mais qui est con, celui-là, c'est pas vrai. Putain, t'as vraiment que carré, je veux bien que la Saint-Valentin, ça soit... bah, c'était hier, mais là, c'est trop tard. Mais... Ah ouais. La nuit de noces, ça aurait dû être hier, pas maintenant. T'attendras ouais. L'année prochaine, gros, c'est ça. Voilà, je retenterai mon coup. Eh bien, salut à tous ces petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui, les amis, nouvelle vidéo sur Fortnite. En mode créatif, et je suis accompagné du meilleur acolyte que Fortnite créatif ait pu connaître. Starmise, bien bonjour tout le monde. Vous m'avez manqué. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Les tout, amis, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite. En mode créatif, on va... Quoi? Il m'a coupé la parole. Oh pardon, excuse-moi mon lapin. Vas-y, je te disais, que faisons-nous ici? Voilà, maintenant tu peux parler. Aujourd'hui, on va regarder un peu les nouveautés qui sont arrivées sur la mise à jour créatif d'hier. Alors, j'ai 24 heures de retard, mais en vrai, on s'en fout. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, les amis, petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et du coup, on est parti. Alors, je sais que ça fait un an que j'ai fait la même vidéo. Et du coup, je reviens un an plus tard pour refaire exactement le même style de vidéo. Et du coup... bah, y a quand même beaucoup de changements qui sont arrivés sur le mode créatif. Il y a eu énormément de nouveautés, énormément de contenu en un an et énormément de tests à faire sur plein de nouveautés. Donc je pense que ça va être intéressant de faire pas mal de choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les balancer dans l'espace commentaire. Et on commence avec les nouveautés de cette mise à jour. Je vais pas recenser toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis que j'ai disparu de Fortnite. Je vais seulement recenser plus ou moins grosso modo les nouveautés qui sont arrivées sur la mise à jour d'hier. Alors on a des nouveaux préfabriqués. Alors en toute honnêteté, j'ai pas joué au Battle Royale, donc je ne saurais même pas vous dire à quoi correspondent ces nouveaux bâtiments. Mais ça m'a l'air d'être des nouveaux. C'est des nouveaux bâtiments du mode Battle Royale. On voit des châteaux, déjà. Ouais. Donc des châteaux, des préfabriqués, on connaît, c'est comme ça que ça se passe, mais ça reste plus ou moins joli. Quoique les préfabriqués, les bâtiments, c'est uniquement pour le créatif, pas en BR ça. Il n'y a pas les bâtiments comme ça, les buildings. Les buildings? Ouais non mais je te parle du... Ouais les buildings ça c'est propre au créatif mais c'est pas arrivé dans la mise à jour d'hier. Mais sinon ouais c'est des bâtiments d'arrière-plan en fait qui sont complètement vides. Mais sinon ouais il y a les bâtiments du château, mais ça c'est un château qui doit être en Battle Royale. Mais je vous avoue que je sais pas du tout. En vrai je préfère être honnête avec vous, j'ai pas joué au Battle Royale. Et du coup après bah vous avez toute la panoplie des bâtiments qui vont avec. Galerie habillage réactif. Qu'est-ce que c'est que ceci? J'ai envie de voir habillage réactif. Ça te dit quelque chose ou pas? J'en sais rien, pose-le. Wow, c'est quoi ce truc? C'est... What the fuck? Attends, tu peux les personnaliser. C'est pour faire des cancers? Réaction à la... Ça peut réagir à la musique. Parce que j'ai dit pour les concerts. Vas-y, danse. Oh, ah oui, ça clignote. Ah c'est les... comment on appelle ça je voulais le mettre sur mon ordinateur, il y en a beaucoup qui l'utilisent quand c'est des musiques électroniques, etc. En fait c'est des... qui font en fonction du rythme de la musique, j'ai l'impression. Ouais voilà c'est ça. Ça fait en fonction du rythme de la musique. Bon c'est top. Je sais pas si c'est arrivé hier ça par contre, mais c'est top. C'est vraiment top. Ensuite pour les appareils, il n'y a pas eu de nouveaux appareils qui sont arrivés du moins sur la mise à jour d'hier, mais... En termes d'appareils, je pense qu'on a notre dose. Il y a énormément de choses qui sont arrivées depuis un an. Entre la moto, les galeries cachettes, le van de rétablissement, des ballons. Il y a eu quoi d'autre? Générateur de garde. Il y a eu quoi d'autre? Plein de choses. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup trop de choses. Je ne peux pas tout recenser. Parce que sinon, on en aurait pour la journée. Il y a le concepteur d'armes de mêlée qui est arrivé. Mais bref, de toute manière, vous êtes au courant de tout ce qui est arrivé, contrairement à moi. Il y a l'accélération turbo, il y a les voitures de Rocket League, enfin bref, beaucoup trop de choses. Les canons, les tanks, etc., on les a pas testés. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez marrants avec, même si ça date d'un siècle. Voilà, ça date d'un siècle, c'est arrivé il y a très très longtemps. Pour nous, c'est nouveau. En toute honnêteté, c'est nouveau. Pour nous, c'est nouveau. Pareil comme le pad là, où vous pouvez littéralement aller à la vitesse de la lumière avec cette galerie.
qu'on peut maintenant modifier les paramètres des pannes. Pour vous, ça date d'il y a très longtemps. Pour nous, c'est tout à fait nouveau. Et du coup, ça nous permet de, bah, de faire peut-être des choses avec. On verra bien. Ensuite, il y a les nouvelles armes qui sont arrivées. Et ma foi, elles sont grave stylées. J'adore vraiment avec le viseur à la première personne, c'est vraiment incroyable. Moi j'aime bien les camouflages qui changent de couleur. Ah ouais, ça ah ouais, effectivement. Ça change de couleur quand tu... Ah non, c'est... Ah non, ça change tout seul au fur et à mesure, ça passe du bleu au vert. Ouais, c'est réactif et tout. Ah ouais, je trouve ça ultra classe. Alors, de ce qu'on m'a dit, chaque arme a une capacité, entre guillemets. Et du coup, bah, on a le fusil d'assaut exotique à viseur point rouge qui tire des projectiles explosif. Oh. Oh, c'est intéressant ça. Arrête, nous sommes alliés. Ah mais oui. Ah mais oui. Ah mais oui, en fait ça tire des... En fait ça tire des... Ouais, ça tire des grenades quoi. Oh, bah, c'est des balles explosives. Ah ouais, c'est des balles explosives. Ensuite, il y a le fusil à pompe automatique expert dont la vitesse de déplacement et la cadence de tir augmentent quand vous blessez des adversaires. Donc ça, malheureusement, je vais pas pouvoir le tester. Mais c'est vraiment sympa. Un pistolet mitrailleur exotique à chargeur doux qui confère la ruée du point zéro pendant quelques secondes en faisant un double saut après avoir rechargé. Alors attends. Alors. Oh, t'as vu ça ou pas? Oui, t'as fait un speed. Ah ouais. En fait, tu tires, tu recharges. Et pendant que tu recharges après, tu peux... Ok, d'accord. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est vraiment stylé ça. Oh, j'y arrive pas. J'arrive pas. Non, c'est pas avec cette arme là, c'est avec le pistolet mitrailleur. Ouais, voilà, celle-là. Alors, vas-y, tire, recharge et double saut. Ah oui. T'as vu, c'est stylé en vrai. En Battle Royale, ça doit être vraiment incroyable. Pistolet mitrailleur exotique gorgé de slab dont le chargeur se recharge quand vous sprintez. You really? Ouais, bah non, en fait. Ça marche pas là, chef. Attends, on va tirer une petite balle. Bah non, c'est ça quoi, marche là pas. Ça marche pas celui-là. Ça marche pas. Y a un problème dans la matrice. C'est le pistolet mitrailleur impulsif. Un pistolet mitrailleur exotique gorgé de slab dont le chargeur se recharge quand vous sprintez. Bah non, en fait, ça se recharge. Ouais, mais, non, mais parce que... Oui, mais parce que les balles, on les a en militaire là, non? Mais ouais, mais on parle du chargeur là. On parle pas de, du nombre de munitions que t'as, normalement t'es censé... Ah avoir, oui, la barre du chargeur. T'as vu, ça fonctionne pas. Ouais. Bon, celui-là il est bugué, ça fonctionne pas. Nada, hein. Que dalle. Alors je sais pas si c'est un bug ou s'il faut peut-être lancer une game, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai beau sprinter les amis, ça marche pas. Hein. Ça marche pas, ça recharge pas. Et pour finir le dernier, un fusil à pompe lourd exotique qui est idéal pour détruire des murs et des couverts. Pour idéal pour détruire des murs et des couverts. Pour détruire des murs et des couverts. Attends, je mets trois murs différents. Une non, tu penses... non, en vrai, je pense pas. Hein. Bon, attends, c'est test. Un petit test à la con improvisé. En vrai, je pense pas. Je pense pas que ça détruit tous les murs. Non, c'est pas possible. Le non, bois, peut-être. On... Peut-être le bois, il y a moyen, mais je pense pas le métal. Le métal, ça paraît un peu exagéré. Commence par le bois. Ok. On va tester. Petit test à la con improvisé. Je pense que si ça fonctionne comme on le pense, on approfondira un petit peu plus ce test dans une autre vidéo. Ok. Attends. Juste prendre un autre exemple. Attends, je vais replacer un mur en bois. Juste pour voir la différence avec un autre pompe. Un pompe classique. Ouais, ok, ouais, il y a vraiment une grosse différence. Ouais, c'est incroyable. Il y a vraiment une grosse différence, hein. Il y a vraiment une grosse différence. En vrai, le métal, je pense pas ça le casse. Hein. Ça me paraît exagéré que ça casse le métal. Hein. Attends, j'ai pris les deux pompes là. Je vais prendre le pompe classique. Le pompe classique, il fait 47 de dégâts. Et ça, c'est le pompe qui est censé casser les murs. Ça se casse. Incroyable, mec. C'est mais vraiment incroyable. Attends, le métal. Par contre ça suit du métal. C'est pas de la pique. Alors ça c'est le pompe classique. T'as enlevé à peine 5 HP. Mais non, je vais retirer 47 encore. 47 de dégâts. Ah, parce qu'en fait c'est une grosse. T'es prêt à tester avec le pompe spécial. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti.
Oh la dinguerie! Il n'y a plus de mur en métal! Oh ah, la dinguerie! Venez les joueurs construction là, on va moins rigoler maintenant. Attends, est-ce que. En gros, est-ce que vas-y, ce que je construis. Attends, est-ce que ça peut casser plusieurs murs d'un seul coup? Bon, non, ça casse pas plusieurs murs d'un seul coup. Enfin, ceci dit, je pense qu'il y a moyen de tester des trucs. Essaye de péter ma tour. Il y a pas de problème, mon gars. Oh là, c'est incroyable hein. Qu'est-ce qu'il fait hein? Oh, c'est insane en vrai! Ok. Bah, je pense qu'il y a moyen d'approfondir ce test avec ce pompe là et même avec les autres armes. Mais attendez-vous à avoir une vidéo bien plus approfondie. On va tester plein de trucs avec cette arme pour voir si elle fait vraiment bien. Si elle peut vraiment détruire tous les murs. On va tester ça, on va approfondir. Il faut tester sur les bâtiments. C'est ça. Ensuite, il y a le faucon de reconnaissance, il y a des armes de mêlée qui sont arrivées, etc. Bon, il y a une tonne et une flopée d'armes qui sont arrivées. Je vais pas toutes les détailler parce que vous les connaissez déjà. Moi, en l'occurrence, je les connais pas. Mais elles sont déjà arrivées. Dans les objets à usage unique, il y a encore une nouvelle fois plein d'items du Battle Royale qui sont arrivés. Donc, je vais pas tous les détailler. Parce que pour vous, c'est pas nouveau, mais pour nous, ça l'est. Mis à part la bombe à buisson, le super slap et la slapelle qui sont arrivés récemment sur le créatif. Ensuite, il y a plein de nouveaux paramètres qui sont arrivés sur le mode créatif. C'est insane. Il y a la map du Battle Royale qui est arrivée sur le mode créatif où on peut faire plein de mises à jour, etc. Et modifier énormément de paramètres. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour certains tests. Mais voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de cette mise à jour. Qu'est-ce que tu vas faire avec... Non, tu vas pas faire le pont. Tu veux tester avec le pont? La map. Tu veux tester avec le pont? Tire. Alors, là, je suis passé en dessous de la map. Ouais, mais en fait, ça peut pas parce que c'est pas considéré comme un mur puisque c'est un appareil. Donc, je sais pas. Faudrait tester. En vrai, j'ai envie de tester avec plein de murs. J'ai envie de tester avec tous les murs possibles. Savoir si ça casse, quoi. Genre, vraiment, ça me chauffe de savoir quel mur peut résister à ce fusil à pompe. Vraiment, j'ai envie de savoir quel mur peut résister à ce fusil à pompe. Et je pense qu'on va réussir à trouver. Mais je pense qu'on a fait le tour, les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi sur TikTok. Le lien est dans la description. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. C'était Virtuose Starmies et bye tout le monde. À bientôt.